Bonjour à vous, chers auditoires, c'est Mister Mustache en direct de Pirate Adventure. Quand on s'était quitté, nous avions recueilli parmi nous un Sparky, un nouveau Sparky, Sparky 2. On avait coloré son magnifique collier d'un noir de jet, totalement fou, pour qu'il ressemble à un pirate. J'ai enfin mis mon magnifique bandeau de pirate, plutôt. J'ai fait quelques petites modifications au niveau du repère du pirate moustache. Voilà, j'ai mis quelques panneaux. J'ai un petit peu développé notre agriculture, comme vous pouvez le voir dans le dernier épisode, nous avions trouvé des cochons que j'ai un petit peu nourris. J'ai ramené aussi des poules, je me suis dit que c'était plus facile de le faire en off. Donc nous avons désormais des poules que nous pouvons tuer de manière satisfaisante afin de nous avoir des plumes. Oui, on parle de toi mon ami, tu vas bientôt mourir. Ne t'inquiète pas, ça se fera sans douleur, avec une anesthésie au couteau. C'est pas vraiment une anesthésie, c'est pas grave, on lui dit pas. Donc comme ça on pourra se faire des flèches si on a besoin de faire un combat. Parce que je me suis rendu à l'évidence, les amis, on va devoir invoquer le Wither Boss. Et ça va... ouais, ça va faire mal quand ça va arriver. J'ai planté les seeds, donc ça a bien poussé. Comme vous pouvez le voir, nous avons des citrouilles, des watermelons. Le blé a bien poussé, j'en ai déjà pris un petit peu, histoire de... avec de la bonne mille, histoire de me faire des stocks de pain et tout ça pour pas mourir de faim. Ici nous avons des carottes, d'ailleurs il y en a ici qui sont prêtes. Hop, on va les prendre et on va en replanter. Et ici nous avons des pommes de terre, je suis allé en chercher à San Esperanza et j'en ai planté. Donc pareil, avec la bonne mille j'ai un petit peu étendu le champ, mais pas énormément comme vous pouvez le voir, c'est pas encore rempli. Et ici je pense qu'on remettra du blé parce que le blé on en a besoin de beaucoup. Pour faire du pain tout simplement et pour nous substanter, parce que nous sommes des gens de très 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 dur à substanter. J'ai mis aussi, à la demande d'un membre de l'auditoire qui m'a donné cette idée, c'était vraiment très sympathique, j'ai mis les têtes de creeper qu'il y avait dans le donjon du désert. Je les ai mis sur des petits poteaux, mon dieu, sur des petits poteaux, et j'ai mis des petits panneaux avec creepers, vous voilà prévenu, référence, pelouse interdite aux creepers, voilà. Donc des magnifiques panneaux d'affichage pour les creepers pour dire on ne vient pas ici. Il y a eu un mort les amis, il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas trois, je veux dire. N'est-ce pas Sparky? Un Sparky, ok, reste là. Ne stresse pas trop, on parle pas de toi. T'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. De toute façon, il reste tout le temps dans cette maison. D'ailleurs, on va le prendre avec nous. Et on va partir à l'aventure. Durant cet épisode, je voulais. Tu viens, Sparky. Tu viens. On va partir à l'aventure. Tu fermes la porte derrière toi, s'il te plaît. Tu es bien élevé. Oh! Non, j'ai dit que t'étais bien élevé, on avait dit, cet épisode, on se distingue. Bon, c'est pas grave. On devait aller explorer la jungle, ici, qu'on a toujours pas explorée, alors qu'elle était juste en face de nous quand on a accosté. Oui, les amis, on a accosté, on a tout à peu... Hein? Merde. J'ai accosté, c'était volontaire. Bon, après, j'ai un peu cassé l'aile droite du bateau, mais c'est pas grave, ça, c'est un détail. On va aller sur cette île, donc. Il paraît qu'il y a de fameux trésors. En réalité, je ne sais pas s'il paraît, mais en tout cas, dans mon esprit, il paraît de magnifiques trésors. On va se faire un bateau, en réalité, parce que j'ai pas envie de mouiller mes bottes et mes moustaches. Hop, on va se faire un bateau. C'est parti. Avec le bois que j'ai recueilli. Dégage, Sparky. Tu m'aimes. Oh, mon dieu. Ok, donc un seul bateau, hein, Sparky se débrouillera. De toute façon, c'est un chien et les chiens nagent. Et ils aiment bien nager dans l'eau, après ils puent. Et ça leur fait plaisir de puer. Ah, mon dieu, ma vie c'est de la merde. Ok. Et on avait aussi... Ah oui, il fallait aussi que j'aille enquêter sur le trou là-bas qu'on avait fait. Vous savez, avec l'éboulement, où on a failli mourir et perdre toutes nos... oui, où on a failli mourir. En effet, il se sent pas à l'aise quand on dit le mot mort, hein, Sparky. Je sens que tu... Ouais, hein. Bah oui. Mais en même temps, ils se communiquent entre eux dans le... Tais-toi. Dans le paradis des chiens, ils savent, hein. Il est pas dupe, le con. On va aller sur l'île, et oui, on doit aller chercher le trou là dans le... Enfin, inspecter le trou dans le désert, et on doit aussi aller voir l'espèce de mine. On avait trouvé une mine dans le premier épisode, ou dans le deuxième, je me rappelle plus. Une mine où on allait pouvoir peut-être trouver des matériaux intéressants. Allez, espèce d'idiot! Tu pouvais pas tomber dans le... Pff, mais quel... Imbécile, tais-toi! Il se moque, l'autre. Complètement fou, hein. Oh. Oh. Il y a un trou ici, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. On avait dit non. Tais-toi.
Bon, c'est une jungle en réalité, rien de bien extraordinaire. Je vais quand même faire le tour avant de m'engouffrer dans ce trou de la mort, de la possession absolue. J'ai peur, les amis, hein, je ne vous le cache pas. Mais a priori, il n'y a rien d'autre ici. Peut-être des... Ah oui, des noix de coco. C'est cool, ça. Comme ça, on pourra se faire un élevage de noix de coco. Il nous faudra du bois de jungle. On va se couper un arbre. Voilà, celui-là, par exemple. Parfaitement, lui. Toi, tu dis au revoir à la vie, c'est mort. C'est mort, j'ai décidé que t'allais périr. Dans l'affreuse souffrance. En effet. Ok. Donc, détruis-moi ça. On a du bois de jungle. On pourra faire notre petit élevage de bambou. Il y avait du bambou. Enfin, du bambou. De la canne à sucre aussi dans le... Dans le désert, à côté de l'oasis, et ça pourrait être intéressant si on veut se faire du papier et toute chose. Où c'est que je suis? Oh mon dieu, c'est Inception dans ma tête. Ok, je tourne en rond, on va s'engouffrer dans l'antre du démon, je pense. Tu viens avec moi, Sparky? Oui, oui, c'est ça, tu viens. Tu vas pas te défiler. Oh mon dieu, il y a du feu, il y a de la netherbrick et de la netherrack, ça fait super peur. Sparky! Sparky, tu viens! Oh non, il va me laisser encore tout seul. Oh merde. Bon allez, on s'engouffre, c'est pas grave. De toute façon, il nous abandonne toujours quand il est question de partir à l'aventure. Ah non, tu es d'accord, tu te téléportes. Bah oui. Eh oui, tu as hérité de la capacité de ton frère. De ton frère mort. Ok, on a des torches. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'oublie tout le temps quand je pars à l'aventure de prendre des torches. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, du charbon. D'accord. Donc là, il y a un coffre. Ah, génial, avec de la sauce. Donc là, les amis, on a absolument tous les matériaux pour invoquer le Wither Boss. C'est flippant. En effet, c'est flippant. On va simplement... Oh, de la Nether Wart aussi, pour se faire des potions. Alors, oh mon dieu, de la Nether Rack. Ça va me servir à quoi, cette merde? J'en sais rien du tout, de la Magma Cream. Alors, les amis, on a plein de matériaux pour faire de l'alchimie. Et je pense qu'on va devoir s'y coller à l'alchimie, là, les amis. Hein. Sauf que je vais devoir... Ouais, je vais devoir aussi user de mon magnifique... comment on appelle ça? Notepad. Avec Wikipédia dedans. Ok. Donc on va prendre de la Nether Wart. Pour un petit peu faire de l'alchimie. Je sais que ça c'est l'ingrédient principal pour faire les potions. Alors je suis absolument mauvais en potions, moi, les amis. En alchimie et tout ça, je connais pas les recettes. Mais bon, j'ai ouï dire qu'il fallait mettre de la Nether Wart pour faire le matériau primaire des potions. Et ensuite mettre toutes sortes d'ingrédients totalement possédés pour se faire des potions. Oh mon dieu, qui c'est ça? Non, hein. On s'en va. Oh. Oh mon dieu. Allez, d'accord. Et là, il y a des blazes. Donc, on va pouvoir se faire. Donne-moi. Donne-moi tout. Oh, il m'a rien donné, le veul. Bon, il va falloir qu'on attende un petit peu. Je vais farmer un petit peu de blaze. Histoire de se faire des bâtons. Ça peut toujours être utile pour l'alchimie. Ça peut être utile aussi pour des yeux d'Ender. Si on voudrait aller dans l'aide. Oh mon dieu, ils ont popé combien là? Sparky. Sparky, meurs pas. Meurs pas! Oh, il brûle à mort là! Bah oui, mais tu vas mourir, Sparky! Tu vas mourir et cette fois-ci on t'enterre pas! Attends! J'ai pas de viande de zombie! C'était une très mauvaise idée d'emmener Sparky ici! Hein. J'ai un arc en réalité! J'ai un arc! Oh mon dieu, j'ai plus de cœur aussi! Non! Non, je vais tuer! Et plus d'équipement! Oh, j'ai plus rien, les amis! Ah, oh, c'est terrible! Bon, vite, il faut que j'aille, que je retourne. Ah ouais, mais non, mais les blazes, ils sont ouf aussi, c'est vrai, j'avais oublié ça. Putain, j'avais oublié que c'était compliqué à tuer les blazes. Eh oui! Mince! On a abandonné Sparky complètement. Oh là, il est mort, définitivement. Non, mais il y en a marre de faire des tombes, après, ça va ressembler à quoi, notre base? En plus, maintenant, on a plus de matériaux. J'ai plus rien. Je suis pauvre! En plus, je mouille mes bottes! Terrible! Oh! Non! Merde! Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire ça bien. La nuit tombe. On a absolument aucune... Ah non, tu es là, Sparky, va génial. Tu es pas mort. Tu es pas mort, par contre, tu es en mauvais point. Viens là. Viens avec moi, s'il te plaît. Suis-moi, espèce de trou de balle. Ah ouais, il a la queue qui est pas... hein? Bon, ouais, c'est ça. Assis-toi. Ne viens pas avec moi, je vais simplement récupérer mes items. Sinon pas brûlé dans l'enfer. Oh non. On doit retourner là-dedans, les amis. Malheureusement. Oh, terrible. Terrible. Pourquoi ça m'arrive à moi, ce genre de choses? C'est horrible. Bon, là, c'était le truc de Nether. Il y a des... Ah, c'est génial, il y a encore quelques équipements, quand même.
Je ne suis pas totalement dénudé de toute possession. Bon, pas énormément par contre. Par contre, si j'ai... Ah, non, 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 mourez. Mourez, bande de... Trop de balles. J'ai une hache. J'ai une hache. Bon, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Arrêtez, me tapez pas, me tapez pas. J'ai peut-être une épée sur moi. Non, j'ai absolument rien. J'ai pas d'équipement. J'ai perdu mon épée. Et oh, j'ai perdu la Soul Sand. Et comment ça se passe quand on a perdu la Soul Sand? Parce que là, j'ai pu en retrouver. En plus, j'ai creusé la Soul Sand des trucs. Et merde! Mince! Il y en a peut-être d'autres. J'en sais rien du tout, les amis. Il y en a peut-être encore. Ah, j'arrive pas du tout prendre. Bon, en même temps, je pensais pas mourir. J'avais pas prévu, hein. C'est pas des choses qui se prévoient, ça, les amis, mourir. J'ai de la Nether Rack, mais ça va pas me servir à grand-chose. Bon, je pense qu'il va falloir que je me fasse livrer de la... De la Soul Sand, hein. Aïe! Imbécile! Je m'en vais. Je m'en vais parce que j'ai absolument aucun truc. Et c'est terrible ce qui vient de m'arriver. Oh mon dieu. Ok, monte. On va rejoindre Sparky dans les enfers. On a plus de Soul Sand. Je vais devoir... Je vais devoir m'en faire couper là, malheureusement, les amis. Parce que je pense pas que... Je pense que c'était le seul endroit où on pouvait avoir de la Soul Sand. Et il fait nuit. Ok. Ok, Sparky, je t'entends, je t'entends. On va pas l'oublier ici. Dans cette terre complètement stérile, mais pas stérile de monstres. Allez, viens. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, pleure comme tu peux. Mon ami, j'y peux rien, moi. Hein. C'était bête et con. Ok. Oh, mon Dieu, j'ai perdu tous mes... Oh. Mince. Ah, c'est terrible, attention. Bah oui, tu as cassé le bateau, en plus. T'es véritablement une merde. Ok, on va esquiver tout ça. Oh, esquiver tout ça, mais... D'accord. Mais c'est inesquivable, ce truc. Ok, Sparky, fais attention. Fais très attention à toi. On va passer comme ça. Vers ce chemin d'or et de lumière où il n'y a absolument aucun monstre. Aucun creeper. Tu ne me vois pas, toi. Ok. C'est magnifique. Voyez, à côté de notre maison, il n'y a pas de creeper. Il n'y a rien. Parce que je pense que nos messages de mort et de haine envers ces creepers et toutes les créatures de cette île a marché, a fonctionné. Sparky, dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà, comme ça, je ferme la porte et... Oh! Enfin à la maison. Ça, c'est génial. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas perdu notre viande, qu'on a payé un émeraude, quand même. On va se refaire de l'équipement. Vous inquiétez pas, je crois avoir... voilà, du fer, de l'or, des bâtons. Voilà, on va se faire une épée, au moins. On va se faire une épée en fer. Hop, génial. Comme ceci. Peut-être une pioche. Ou alors, non, un casque. On va se faire un casque. Voilà. Et je crois que j'avais laissé dans un coffre un équipement complet en maille. Alors en fait, ça pourrait nous être utile. Je vais aller le rechercher. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette lumière, là? Ah, ok, d'accord. Je suis dans la faille, les amis. J'ai creusé un petit peu pour me faire du charbon et des trucs comme ça. J'ai entendu une araignée, j'ai creusé dans les murs. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose de complètement secret et ancien. Malheureusement, je n'ai plus de pioche. Et ça peut être très mauvais signe, en réalité. Il me faudra encore un peu de pierre, malheureusement. Ouais, j'ai carrément plus de pioche, en fait. Bon, j'ai une épée. C'est le principal, je pense. Il ne doit pas y avoir grand-chose à creuser. Mais où est-ce que je suis, en fait? Je crois que je suis arrivé dans le donjon. Ah, d'accord. Je suis dans le donjon. Oh, mon Dieu, un creeper. Non, n'explose pas. N'explose pas. Non, non, non. Attention. Sparky. Complètement con. Il n'attaque pas les creepers, Sparky. Il est bête. T'es bête. Ça prend un peu de viande de zombie, voilà. Il est complètement idiot, en fait, ce Sparky. Non, ok, les amis. Donc, en fait, c'est pas un donjon exclusif ou quoi. C'est simplement... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Bon, ok, il a explosé. Lui, c'est pas grave. C'est pas vraiment important. Il faut juste que je tue ces squelettes. Allez, mourir. Tous. T'aurais pu me donner ton chestplate, toi, espèce de... Ah. Sprout. Ok. Ok, non, non, c'était juste un passage vers le donjon. Qu'on a déjà fait, les amis. Je vais simplement aller chercher les équipements de maille qu'on avait laissés là-bas, inconsciemment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis bête et dénué de toute intelligence. D'accord. Donc c'était pas ici que je les avais laissés. Ah bon? Mais où est-ce que je les ai laissés, les amis? Peut-être en haut de la montagne. Et merde. Et le toit de torche qui vole. Espèce d'idiot, tu me fais plus peur. Je suis passé au-dessus de ça. J'ai combattu des blazes. Oh mon Dieu. Ah, ok. Donc on va récupérer. Je les avais laissés là. Malheureusement, j'avais pas pris
Enfin, j'avais pris justement le chestplate. Et donc, il me reste que les jambes et les bottes. Ça peut être utile si on meurt une autre fois. Au moins, on aura un petit équipement de secours. Hop. Mais on va retourner au repère. Sparky est toujours là. C'est génial. Ah oui, je devais aussi aller chercher la canne à sucre. Histoire peut-être de se faire, vous savez, un livre écrit. Ça pourrait nous faire des émeraudes facilement. Parce que je crois qu'en fait, c'est comme ça qu'on obtient les émeraudes. C'est en faisant un livre, en écrivant n'importe quoi dessus. Et en le vendant à l'espèce de libraire complètement fou, là, qui je sais pas, il se fait une bibliothèque de la possession avec des livres tachés de graisse et avec des écritures perfides dedans. Un petit peu possédé, vous savez, qui invoque le diable. Cet homme, d'ailleurs, a des problèmes, je pense, dans sa vie. C'est pas grave, on va satisfaire ses pulsions barbares en lui écrivant un joli livre. Et en lui vendant, ça nous fera des émeraudes et on pourra s'acheter peut-être des pièces d'armure pour les prochaines fois. Et aussi de l'obsidienne, il va falloir y penser les amis, parce que pour faire un beacon, bon, il faudra d'abord qu'on tue le qu'on tue le Wither, c'est pas gagné. Vous avez vu notre performance face au Blaze. Je pense qu'on va avoir de gros problèmes. Mais je garde espoir les amis. Je garde totalement espoir. On va en laisser un petit peu quand même ici. Genre, je vais pas tout prendre, je vais en laisser ici. Au cas où, on ne sait jamais. Maintenant, je joue prudence, les amis. Au cas où, je sais pas, il y a un cataclysme dans la maison, que tout explose et que tous les objets disparaissent. Parce qu'il me faudrait 5 minutes pour rejoindre ma maison. Du cœur des enfers jusqu'à ma maison. Et donc, on aurait perdu toute trace de canne à sucre. Ce serait horrible. Ça peut arriver maintenant. Je me rends compte que même les choses les plus atroces peuvent m'arriver dans cette aventure. Mais ouais, j'ai plus de soupçons, ça c'est terrible. C'est terrible parce que je vais devoir envoyer... Enfin, je vais devoir me la faire livrer par le colis postal, les amis. Bah oui, je pense. Il n'y a plus d'autres solutions. J'irai m'informer, mais je pense qu'il n'y a plus d'autres solutions. Ok, bon, vous êtes magnifique. Vous, par exemple, vous pouvez vous reproduire. Alors, dès que vous pouvez, vous le faites, hein. Il y a absolument... Ouais, voilà, faites-vous des bisous. Parfait. C'est comme ça que ça marche, mec. Vous êtes complètement con, en fait, comme cochon. Mais c'est pas grave. Hop. On a des récoltes absolument maigres, mais c'est pas grave. On a des carottes. Et les carottes, c'est bon. Ok, on va s'en manger un petit peu. Est-ce que tu aimes les carottes, Sparky? Non. Lui, il mange que de la viande. C'est un carnivore. Ah oui, on n'avait pas replanté aussi notre blé. Alors, on va le faire. Hop. Comme ceci. Et ouais. On va faire comme ça. Ok, il va falloir qu'on se fasse un équipement digne de ce nom. Le malheur, c'est qu'on a perdu, mais aussi tous nos niveaux, quoi. Je voulais faire de l'enchantement ou au moins du... Ouais, peut-être pas de l'enchantement, parce qu'il nous faudrait quoi? Il nous faudrait de l'obsidienne, un diamant, qu'on n'a pas. Mais en réalité, vous savez ce qu'on va se faire? Combien il nous reste de... Ouais, j'ai un fer, je vais pouvoir me faire une pioche en fer. Ce qu'on va se faire, on va se faire une pioche en fer, et on va aller miner dans la grotte. Ce sera cool, ce sera bien mieux. Mais je pense qu'on va faire ça dans un prochain épisode, cher auditoire. C'était un petit peu l'épisode de la dèche, cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Mr. Moustache en direct de Pirates Adventure. On se voit quand on se voit. Si là, portez-vous bien. Dis au revoir, Sparky. Voilà, complètement con. À la prochaine. Ouais, merci. Bye.